Coucou les divas, j'espère que vous allez bien, moi c'est Mamie. Si c'est votre toute première fois de tomber sur ma chaîne, je vous invite à pouvoir vous abonner. Après avoir suivi, bien évidemment, laissez vos pouces, vos commentaires, ça me fera énormément plaisir. Sans plus tarder, nous allons commencer notre haul fashion de chez Zara. Alors, ça fait quand même longtemps que je n'ai pas fait de fashion haul, et surtout que la Saint-Valentin s'approche, donc du coup, je me suis dit non, je dois faire un fashion haul. Là, vous me voyez en rouge, donc je suis déjà prête pour Saint-Valentin. La blouse vient de chez Zara. De toute façon, je vais mettre une vidéo quelque part. Vous allez voir à quoi la blouse ressemble. C'est une belle, belle blouse. J'aime bien les détails, les dentelles tout autour même du cou. C'est vraiment joli. La blouse n'était que à 39,99$. Donc le prix était comme top. Quand j'ai vu le prix, j'ai vu la qualité de la blouse. J'ai dit non, je dois te prendre. Elle est super jolie la blouse. Le satin là est juste top. What do we have in here? Let's find out. Donc voilà, on va commencer. On va commencer par les mocassins que j'avais pris, que j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup les styles mocassins, surtout pendant l'été avec un beau jeans. C'est vraiment chouette. Moi, je ne suis pas trop basket. Donc, moi, j'aime vraiment garder mon style assez classique. Donc, du coup, je ne suis pas très basket. Je peux avoir deux paires de baskets, mais vraiment moi mon style c'est vraiment du classe. J'aime beaucoup les mocassins, donc voilà, c'est vraiment joli et j'aime bien la couleur, la qualité est juste top. Alors c'était à combien? C'était à 39,90$. Le prix est là. J'espère qu'on peut bien voir le prix, mais bon voilà. Je trouve que ça va très bien avec ma peau. La couleur est juste top. C'est un peu en velours. Ouais, velours. Voilà. C'est vraiment magnifique. J'aime beaucoup. Pour 39$, you cannot go wrong. La prochaine chose que j'avais pris, comme je vous l'ai dit, la fête de Saint-Valentin s'approche. Alors, j'avais pris cette mini-robe que j'aime beaucoup, que je peux porter à la maison le jour de Saint-Valentin. Voilà. Mais elle était à 79$. Donc, 79$, ça fait 39€, donc 40€. Mais ici, c'est 79$ canadiens. C'est vraiment chouette. J'aime beaucoup le détail. C'est vraiment joli. Et 13 layers, il y a comme les étages, c'est vraiment magnifique, vraiment joli. Alors, si tu n'aimes pas une mini robe, donc ça ne serait pas vraiment l'idéal pour toi, mais moi ça me dérange pas de porter une mini robe qui est évasée. J'aime pas des mini robes qui est très serrée, mais si c'est évasé, ça me dérange pas et j'aime beaucoup, surtout pour la fête de Saint-Valentin. Je vais vous les montrer, c'est vraiment chouette et la qualité juste top. J'aime bien le détail de fleurs, yeah. C'est ce qui m'avait même attiré. Vraiment joli, vraiment chouette et le juste magnifique. Donc ça là c'est pour porter le jour de Saint-Valentin à la maison pour mon chéri. Donc voilà. J'avais aussi commandé cette robe. Elle est courte. Elle est vraiment très courte par rapport à la robe rouge. Donc du coup, je l'ai essayé devant la caméra. C'était juste too short. C'est vraiment très courte. Alors, j'étais pas très confortable.
Donc, je vais juste vous les montrer comme ça. Je pense que je prends une photo avec. Si je trouve la photo, je mettrai la photo quelque part ici. Comme ça, vous allez voir après près à quoi ça ressemble. Elle est vraiment jolie. J'ai beaucoup aimé. Ça, c'est vraiment le genre de robe que moi, j'aime. Et à côté de la ceinture, c'est un peu avec des matériels velours. C'est vraiment joli avec des boutons. Voilà, les boutons comme ça, là. En cristal, voilà, c'est vraiment joli, c'est très classe, sauf qu'elle est très courte sur moi, donc du coup, je n'étais pas très confortable de vous montrer comment c'était, c'était super courte, mais j'aime beaucoup, alors je ne sais pas si je veux la rendre ou je veux la garder, mais elle est très courte, je l'avais portée sur Instagram, mais j'étais assise, je vais vous mettre la photo quelque part ici, vous allez voir après près à quoi ça ressemble, mais sinon elle est vraiment canon. La robe était à 79$, mais moi j'avais pris ça à 50% off, donc c'était dans le 35$, 36$. C'est vraiment joli, une robe en dentelle comme ça, c'est juste top, vraiment pretty, mais elle est juste très très courte. Alors, la troisième robe que j'avais pris, je ne sais pas si je pourrais dire c'est la robe un peu grise. Elle est vraiment jolie. Moi, j'aime des robes très, très longues. Je trouve que c'est très classe. De temps en temps, une mini-robe, ce n'est pas grave. Mais la plupart du temps, j'aime beaucoup les robes assez classe. Voilà, elle est vraiment longue. Très, très, très longue. Elle est super jolie. Avec le manche assez long. Alors, avec des boutons comme ça. Mais j'aime pas trop les boutons. Je trouve que les boutons sont cheap. Voilà, les boutons ne sont pas vraiment très très top, mais la robe elle-même, elle est vraiment jolie. Et puis, elle a ces détails à côté du ventre. Voilà, c'est vraiment joli, ce qui fait que ça vous donne une très très belle forme, super magnifique. J'aime beaucoup. Elle est lotée aussi à 99$, mais en sorte, je pense que je l'avais eu à 39$ ou 40$. Vraiment, vraiment chouette. Voilà, vraiment chouette, j'aime beaucoup la couleur. Et la prochaine robe, je pense que j'ai déjà pris une photo avec sur Instagram. Je l'ai aussi essayé pour vous. Et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'aime bien le détail là, l'élastique. Voilà, super joli. Voilà, même au niveau de bras. Voilà, vraiment joli. J'aime énormément cette robe. Quand je l'avais vue sur le mannequin, j'avais vraiment kiffé. Vraiment joli. Et là aussi, vraiment longue. Voilà. C'est un peu matériel lin, je ne sais pas trop, c'est comme si c'était du lin, voilà. C'est vraiment, vraiment joli. Et elle était à combien? Elle était à 79$ et moi, je l'avais eu à moitié prix. Donc, vraiment, j'aime beaucoup. Et ça vient avec une ceinture, comme ça. Vous pouvez la porter avec sa ceinture ou quelque chose d'autre, tout dépend de vous, comme vous voulez. Mais sinon, la ceinture n'est pas du tout mal aussi, hein? C'est vraiment joli. Alors... Prochaine chose que j'avais pris, c'était ces blazers. Oh, I love it. J'aime beaucoup la couleur. Alors, je n'ai pas une blazer comme ça, une veste comme ça. Alors, quand je veux ça, la couleur peach là, c'est juste top. J'aime beaucoup.
C'est un peu, j'ai pris la taille large parce que je voulais du oversize. Si tu ne veux pas le oversize, tu peux prendre la taille médium, ce n'est pas un problème. Mais moi, j'aime lorsque la veste est un peu plus grande sur moi. Ça, c'est ma préférence en fait. Donc voilà, c'est comme ça. Oh là là! Ça vient avec des poches à côté comme ça. Very beautiful. Honestly, very beautiful. Avec des boutons comme ça. Avec quoi? Ça vient avec des faux poches. Voilà. Et j'aime bien la façon qu'ils ont cousu le poche. Donc c'est comme tout, c'est comme si c'était deux poches. Donc il y a une poche là et puis une autre poche là. Donc voilà, j'aime beaucoup le détail. J'aime énormément. C'est vraiment joli, super super joli. I love it. La taille large, c'est vraiment assez grand sur moi. Et devinez, c'était à combien? De 100 $ à 39 $. Donc je ne pouvais même pas hésiter. Je ne pouvais même pas. C'est vraiment joli. Le reste, ce sont juste des t-shirts que je prie que je peux rester avec à la maison. Alors, vous le savez, vous tous, chez Zara, les t-shirts sont à 9 $, 15 $. Rien de très spécial, mais ce sont juste des t-shirts normaux que je peux porter et rester avec à la maison. Juste relax. Voilà. C'était comme ça. Voilà. Comment? J'espère que vous pouvez bien voir. Vraiment joli et simple. 15 $. La taille médium. J'en ai pris une deuxième. Voilà, comme ça. Very nice. Juste pour relaxer avec à la maison. 15 $. Et j'en ai pris le tout dernière qui est comme ça. Voilà. Très, très sympa. Et lui, il était à 11 $. Donc, voilà. Je finirai pas cette vidéo pour dire merci à Sarah Amani, la fille qui s'occupe de ma tête. Regardez la perruque, comment c'est juste joli. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est juste top. En tout cas, Sarah Amani, she's top of the top. The best of the best. Alors, pour vos perruques, si vous avez aimé la perruque d'aujourd'hui, n'hésitez pas à contacter Sarah Amani. Je laisserai ses infos dans la barre d'infos et je mettrai son nom quelque part ici. Alors, je vous en supplie. Les belles dames. Et l'habitude de consulter la barre d'infos. C'est là où je laisse toutes les informations. Je vais laisser des informations comme ça. Il y aura toujours les gens qui vont venir te poser même la même question pendant qu'il y a déjà les informations. Je laisserai toutes les informations. Contactez Sarah Amani pour vos perruques. Je laisserai son numéro de téléphone. Je laisserai son compte Instagram. Si vous voulez commander vos perruques. Si vous voulez commander vos perruques, elle est là disponible pour vous. Si vous voulez le cheveu court, le cheveu teinté, elle est là à votre disposition. Je laisserai toutes les infos. N'hésitez pas à regarder la boîte d'infos. Et je laisserai toutes les références de tout ce que je viens de vous montrer, même pour la perruque, dans la barre d'infos. Alors, si vous ne trouvez pas le lien, donc ça veut dire que je ne l'ai plus trouvé. S'il te plaît, lisez tous les détails dans la barre d'infos. Parce que je reçois tout le temps la même question. Bien que j'ai tout laissé dans la barre d'infos, il y aura toujours les gens qui vont venir encore vers toi pour te dire « Mamie, c'est quoi le numéro de Sarah Amani ?» Mais pourtant, c'est déjà là pour vous. On doit vraiment développer cette habitude d'aller regarder la barre d'infos. La barre d'infos, c'est là où vous allez trouver toutes les informations. Si vous regardez dans la barre d'infos et que vous ne trouvez rien, donc ça veut dire que je n'ai plus ces liens.
ans. Si vous regardez dans la barre d'infos et que vous ne trouvez rien, donc ça veut dire que je n'ai plus ces liens, ou soit l'article n'est plus disponible, donc raison pour laquelle je n'ai pas mis, je n'ai pas mis le lien. Mais sinon, j'essaie toujours de mon mieux de laisser tout dans la barre d'infos. Direct chez Sarah Amani pour le perruque de qualité, elle est vraiment top. Si vous voulez faire teinter vos perruques, si vous voulez faire que vous voulez des perruques courtes, tout ce que vous voulez, vous envoyez juste une photo, elle va reproduire la même perruque pour vous. Je fais des gros bisous, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Fashion Elegance M, ça me fera énormément plaisir. Je fais des gros bisous. On se retrouve très prochainement. Bye.